tu sais que toi aussi, tu peux conduire cette Porsche 992 Carrera 4S ? Les amis, c'est J'espère Carré, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une Porsche 992 Carrera 4S entre les mains que je vais vous présenter. Et celle-ci, elle m'a été prêtée par la société Club & Drive. Alors, Club & Drive, c'est quoi ? Club & Drive, c'est un club qui va te permettre à toi, oui, oui, toi et aussi à moi, de conduire une large flotte de véhicules. En fait, tu vas pouvoir adhérer à leur club annuellement et tu auras accès à une flotte de véhicules. Donc c'est pas tout à fait comme les sociétés de location classiques. Là c'est vraiment beaucoup plus poussé et sérieux. En gros, tu adhères à la société et tu as accès à plusieurs véhicules, dont cette magnifique 992 Porsche Carrera 4S que je vais te présenter juste après. Mais il y a aussi d'autres véhicules chez eux qui seront disponibles. Tu auras de la Audi R8 V10, de l'Alpine, de la Porsche GT4, bref, tout ce qui est vraiment concentré sur le plaisir de conduite. Grâce à la cotisation au Club & Drive, tu auras le droit également à participer à divers événements automobiles, que ce soit sur circuit ou pour des découvertes de lieux cultes, comme par exemple cette magnifique place de la carrière à Nancy. Chez Club & Drive, ce qui est vraiment bien, c'est aussi que tu vas avoir accès à un local complètement aménagé sur le thème de l'automobile. Donc tu auras un salon lounge, cuisine, bar, tu auras même des simulateurs de conduite en afterwork, c'est très bien, et si tu pourras en profiter avec les autres membres du club ou tes amis. Transition car spotting, parce que la passion du car spotting n'arrête pas, regardez là-bas. Corvette C8, on a une petite Z4 et derrière on a un Audi. Alors je sais pas si c'est un RSQ8 ou autre, mais il est vert flashy. Très vert flashy. Bon, par contre ils sont en contresens, mais voilà. C'est la passion du car spotting, on était obligé de s'arrêter. En plus, il y a des copains allemands, ils ont une plaque allemande comme moi. Donc, how we dorsen, c'est pas du tout ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Pour résumer, Club & Drive te propose une formule qui va te permettre de posséder de très beaux véhicules sans avoir les contraintes liées à être propriétaire d'un de ces véhicules. Donc maintenant, on va parler quand même plaisir de conduite. Je vais te présenter cette 992 Carrera 4S et tu vas voir que vraiment cette formule par Club & Drive va te permettre de kiffer. Alors, autant en conduite en ville qu'en conduite sportive, tu vas voir, ce véhicule est vraiment ultra polyvalent. 992 Carrera 4S, 450 chevaux, 4 roues motrices, tu vas voir, c'est une pépito. Let's go les amis. On va parler un petit peu de l'intérieur de la 992 qui est vraiment très joli. Alors entre la 991 et la 992, il y a vraiment une grande différence déjà au niveau de l'interface digitale. Vous avez un grand écran ici, là aussi c'est du digital. Alors il y a un petit défaut sur la 992, on va dire que les deux écrans qui se situent à l'extrémité, on les voit pas forcément quand on est en face du volant à cause du volant. C'est pas très grave, c'est le seul défaut qu'on peut trouver au niveau de l'intérieur de cette 992. Pour le reste, le volant est vraiment magnifique. Vous avez le petit drive mode ici qui vous permet donc de sélectionner les différents modes de conduite. Donc vous avez le mode wet qui est le mode pluie, le mode normal, le mode sport plus et le mode individuel qui vous permet de régler le véhicule à votre guise. Donc celle-ci nous est présentée avec un très bel intérieur en cuir tout gris. Le volant est magnifique. La console centrale des 992, j'adore, surtout avec ce petit levier de vitesse qui est vraiment très ergonomique et très esthétique. Elle est bien optionnée, hein. On a le lift system, le système pour ouvrir les échappements bien entendu, le PDCC qui est une option relativement rare sur les 992 Carrera 4S. Elle a les sièges ventilés comme aujourd'hui, c'est très pratique. Siège chauffant et surtout, il y a une option vraiment cool, regardez, on a le toit ouvrant. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On n'a pas un cabriolet, mais on s'y croirait presque. Et si vous voulez ne pas prendre de coups de soleil sur votre jeune calvitie comme la mienne, regardez. Magie. Technologie. We'll be right back.
les amis, on se retrouve à bord de la 992 Carrera 4S. Donc là, je suis en centre-ville, donc c'est juste pour vous montrer et vous prouver que c'est vraiment un véhicule ultra polyvalent. Alors là, je suis encore en mode sport plus. On va dire que c'est pas trop adapté. Regardez, je vais la mettre en mode normal. Donc là, même les clapets se sont fermés. Le véhicule fait pas un bruit. Je suis à 30 km/h, elle est déjà en troisième. Côté économie, c'est plutôt pas mal. T'as quand même ce plaisir de rouler en Porsche, et c'est vraiment ça l'avantage de Club & Drive, c'est que tu peux rouler en Porsche, te faire plaisir, sans être obligé de toujours rouler vite. Tu vois, là, j'ai activé le taux ouvrant pour bien éclairer ma jeune calvitie naissante. Enfin, elle est même plus naissante, elle est bien présente. Vous voyez un petit peu, au fil des vidéos, l'évolution de ma calvitie. Tu profites du taux ouvrant, t'as pas un cabriolet, mais tu profites quand même du ciel bleu nancéen, parce qu'aujourd'hui on est à Nancy, et à Nancy il fait toujours beau, donc tu peux profiter facilement de ce soleil, et tu as des options vraiment très agréables. Alors aujourd'hui, là, pour vous dire, il est 11h46, il fait déjà là 32 degrés, c'est n'importe quoi. Alors je peux vous dire, j'ai activé toutes les options, j'ai mis climatisation, elle a les sièges refroidissants qui sont ultra agréables. Là, je peux vous dire, dans mon dos là, cette petite brise de frais me fait vraiment du bien. Donc si tu veux faire un petit peu de bruit, bah, tu peux toujours activer les échappements. Alors oui, elle fait pas forcément énormément de bruit, elle est fapée, mais par contre tu as quand même la sonorité du flat 6 qui est toujours aussi agréable chez Porsche. Même en centre-ville, franchement, c'est un véhicule ultra polyvalent, tu te sens bien. Les gens vous regardent énormément dans cette Porsche-là. Alors c'est peut-être la configuration qui fait qu'elle attire l'œil, avec cette configuration blanche, avec les jambes foncées, le toit ouvrant. Les gens sont plutôt même réceptifs et positifs à cette voiture. J'ai déjà roulé dans d'autres véhicules en centre-ville de Nancy et je peux vous dire que des fois, au lieu d'avoir des pouces bleus, j'avais plutôt ce doigt-là. Jalousie française, tu connais. Mais là, pour le coup, dans la Porsche, ça passe hyper bien. Ben là, il y a un mec qui vient de me faire un pouce bleu. Les amis, on n'est pas là non plus pour profiter du centre-ville en Porsche. On va aller se trouver une petite route sympa. On va mettre le mode Sport Plus. Et tu vas voir que c'est 450 chevaux dans cette 992. Ça arrache. 0 à 100, officiellement 3 secondes 4. Mesuré 3 secondes 3. C'est quand même déjà plutôt pas mal. Donc là, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre maintenant le mode Sport Plus. On va se trouver une petite route sympa et on va vous montrer vraiment les performances que vous propose cette 992 Carrera 4S disponible chez Club & Drive. Bon, les amis, je suis passé en mode Sport Plus. On a trouvé une petite route sympa et je vais vous montrer que franchement, c'est vraiment un super véhicule. Je la laisse en boîte auto parce qu'en fait, la boîte auto fait le travail à perfection. Donc c'est parti, puis au plancher, let's go. Est abattu en 3 secondes 3. Officiellement, c'était 3 secondes 4. Mais au chrono, là, on est quand même sur du 3 secondes 3. Donc c'est quand même plutôt très très bon. On n'est pas sur une Turbo S, bien entendu, qui fait ça en 2 secondes 9, 2 secondes 8. Mais 3 secondes 3, c'est déjà un très très bon score pour se faire plaisir et pleinement profiter de la mélodie. Oh là là là, quelle voiture! Incroyable! Tenue de route irréprochable, on l'emmène où on veut. Le train avant est très précis. Hop, elle bouge pas, elle bouge pas. Le rond-point, on va pas le prendre en drift, bien entendu. Hein, c'est pas le but. Ça souffle hein. Et ça pousse, les amis, vraiment. Hein. Donc là, vous pouvez avoir à la disposition ce missile chez Club & Drive. Les 450 chevaux sont suffisants pour se faire plaisir. Pas besoin de plus. Vous trouvez des petites routes sympas.
là vous pouvez envoyer quoi. Si je dois le dire, un défaut vraiment, mais vraiment un seul défaut, c'est la sonorité. Voilà. Au niveau du bruit, on en veut toujours plus. Donc là en l'occurrence, voilà, c'est un petit défaut, mais franchement, ça sonne quand même vraiment, vraiment bien. Secondes 3, le 0 à 100. What the fuck? Le launch control est une violence à utiliser avec modération. Mais qu'est-ce que c'était bon, bordel! Merci Club N Drive hein, de me permettre d'essayer ce magnifique véhicule. J'espère que cette vidéo vous donne envie aussi de faire partie de ce club pour pouvoir avoir la chance et l'opportunité de conduire de beaux véhicules comme cette 992. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ils n'ont pas que ça en véhicule. Ils sont en train de se créer une flotte de voitures qui sera à disposition pour vous si vous êtes membre chez eux. Incroyable, il y aura de la Audi R8 V10 Spider, ça j'ai hâte de l'essayer aussi, décapoté avec la sonorité du V10 qui manque un petit peu au niveau de sonorité à cette 992. Vous aurez de la Porsche Cayman GT4, de l'Alpine, de la Jaguar F-Type. Il y aura vraiment tout type de véhicules pour plaire au maximum de monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grand, grand merci à Club N Drive pour le prêt de cette 992. Toutes les informations seront dans la description de la vidéo et je mets également leur Instagram juste ici. Et grand merci aussi au très grand, au duo incroyable Roary Media qui sont mes monteurs et mes caméramans pour cette vidéo. Leur Instagram, il s'affichera juste ici. Je vous rappelle que Club N Drive, c'est un club automobile qui va te permettre, vous permettre de conduire un parc de véhicules assez impressionnant à ta disposition. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire, mets le petit pouce bleu et puis ciao !